La villa d'Aix-sur-Brisée 3, l'adorable déclaration de Beverly à Vivian. Il y a quelques mois, Vivian et Beverly décidaient de tourner la page et de redonner une chance à l'amour en participant à la villa d'Aix-sur-Brisée 3. Grâce à l'émission et l'aide précieuse de Lucilla Love Coach, ils sont désormais sur un petit nuage. Beverly et Vivian, une histoire compliquée. Dès leurs premiers instants dans l'aventure, le courant est passé entre Vivian et Beverly. Ils sont alors devenus un duo inséparable qui n'hésite pas à s'allier pour rendre chèvre leurs camarades ou encore pour se mettre des bâtons dans les roues lorsqu'il avait des dates. Mais derrière cette jalousie et cette complicité, il y avait en réalité de l'amour. Dans les derniers épisodes, la belle blonde a même profité de sa rupture avec Vincent pour enfin se rapprocher de Vivian. Beverly déclare sa flamme à Vivian. Amoureux depuis la fin du tournage, Vivian et Beverly sont épanouis et en couple depuis plus de 8 mois désormais. D'ailleurs, la candidate lui a une nouvelle fois dévoilé ses sentiments sur les réseaux sociaux en postant une photo d'eux déguisés en mignons et avec le message suivant : tic et tac parce que c'est toi, parce que tu es différent des autres, parce que tu es foufou, parce que tu es dans le même monde que moi dièse amour dièse amitié dièse BV dièse la vie à trois dièse si à moi toi dièse love Vivian Gimini. Ne sont-ils pas trop mignons? Après avoir démenti leur participation à la 10e saison des Anges, les candidats ont affirmé qu'ils ne feraient aucun programme l'un sans l'autre. Selon certaines rumeurs, ils pourraient s'envoler vers la Thaïlande pour faire Moundir et les Apprentis Aventuriers 3. Pour le moment, les deux tourtereaux n'ont pas rebondi ni réagi aux rumeurs. En attendant, vous pouvez toujours suivre l'évolution de leur love story dans la villa d'Aix-sur-Brisée 3 du lundi au vendredi sur TFX.